école de commerce française reconnue par l'État, membre de la Conférence des grandes écoles. Elle existe depuis 60 ans et en 60 ans, elle a diplômé 6500 étudiants qui sont répartis à travers le monde. Et ces diplômés aiment naturellement leur école et on constate une immense solidarité entre eux. L'ISTEC est située au cœur de la capitale et ce que nos étudiants viennent chercher, c'est à la fois la proximité avec le tissu économique et en même temps l'expérience parisienne. Pour former les leaders et les managers de demain, notre pédagogie repose sur trois fondamentaux: l'enseignement, la professionnalisation et le savoir-être, c'est-à-dire la posture à la fois à l'école et en entreprise. Pour cela, on a différentes modalités, on a des séminaires, on a des ateliers, on a des travaux de groupe, on a des cours magistraux et cet ensemble va permettre d'avoir une expérience pédagogique unique à l'ISTEC. Et Anis, quelle est l'offre pédagogique pour les MBA? Il existe 9 programmes MBA, 6 en français, 3 en anglais et qui couvrent toutes les disciplines du management. Sur ces 9 programmes MBA, comment est-ce qu'ils sont organisés? Quel est leur parcours? Eh bien, 2 cursus, un cursus classique en 12 mois et un cursus renforcé en 18 mois. Pour le premier cursus, en 12 mois, les étudiants vont avoir un semestre de spécialisation et un semestre de stage obligatoire pour renforcer leurs chances d'intégrer une entreprise. Et pour le cursus en 18 mois, 3 parties. Un premier semestre de renforcement des connaissances théoriques, un deuxième semestre de spécialisation et un troisième semestre de stage obligatoire pour favoriser la professionnalisation des étudiants. Alors Anis, à qui s'adressent ces différents programmes, ces deux programmes en 12 et en 18 mois? Est-ce qu'il y a des publics différents et surtout comment est-ce qu'on fait pour y postuler? Tout à fait Eric, donc 2 programmes différents à des publics différents. Pour le cursus renforcé en 18 mois, là on s'adresse à tous les diplômés d'écoles d'ingénieurs, de médecine, tous les programmes ou toutes les disciplines en dehors du management. Pour le programme en 12 mois, donc le cursus classique, là on s'adresse plutôt à des diplômés de niveau Bac plus 4 ou Bac plus 5 en sciences de gestion, quelle que soit la spécialisation. Alors comment postuler? Il suffit simplement de télécharger notre fiche de renseignement sur le site de l'ISTEC rubrique MBA, collecter quelques informations, notamment votre CV, vos relevés de notes et vos derniers diplômes et envoyez votre candidature sur mba@istec.fr. C'est très clair sur la manière de candidater. Une fois que l'étudiant a envoyé son dossier, comment est-ce qu'il va être accepté dans le programme? Quelles sont les modalités d'admission? Donc après une étude minutieuse de chaque candidature, nous prenons rendez-vous avec les candidats, nous réalisons un entretien, ça peut être en visio, par téléphone ou en face à face. Et après, suite à la réunion du jury d'admission, nous informons le candidat de l'état de sa candidature. La candidature a été acceptée, l'étudiant va intégrer le programme MBA de l'ISTEC. Quel type de professeur est-ce qu'il va avoir en face de lui? Notre objectif est de former les futurs leaders et managers des entreprises de tout type et de tout secteur. Les intervenants, 2 catégories. D'abord, les académiques, qui sont à la pointe de la recherche, des docteurs en sciences de gestion, ainsi que les professionnels qui sont en activité dans leur entreprise et qui vont partager leur expérience auprès de nos étudiants. C'est très clair sur le corps professoral. Tu m'as aussi parlé d'une période de stage. Comment est-ce que les étudiants font pour trouver un stage? Alors, le stage est obligatoire pour valider le diplôme. Un stage de 4 à 6 mois qui peut être réalisé en France ou à l'international. Donc plusieurs opportunités s'offrent à nos étudiants, notamment un atelier d'accompagnement au niveau de la posture, de la création de CV, de la création du profil LinkedIn, un atelier pour accompagner nos étudiants dans la rédaction de leurs lettres de motivation, avec des simulations d'entretien, avec la rédaction de leur CV. Deuxième possibilité, là, les étudiants ont accès au Career Center de l'ISTEC. On a des milliers d'offres de stage qui sont mises à disposition des étudiants, ce qui favorise leur chance d'accéder à un stage de qualité. Troisième possibilité, c'est le réseau des anciens qui est très actif et très solidaire avec notre école puisqu'il propose beaucoup d'offres de stage qui pourraient intéresser nos futurs diplômés. Et enfin, nous organisons des job dating. Ici, les étudiants ont la chance de rencontrer des entreprises qui
qui viennent sur le campus et pendant 7 minutes, ils ont l'opportunité de discuter, d'échanger et de valoriser leur expérience pour mettre toutes les chances de leur côté pour obtenir ce stage. Faire ses études à l'ISTEC, c'est intégrer un écosystème. Et cet écosystème, il est constitué de cours, naturellement. Il est constitué d'un accompagnement sur mesure et personnalisé pour chacun de nos étudiants. Il est constitué d'associations, il est constitué d'entreprises partenaires depuis des années. Et cet écosystème va permettre à nos étudiants d'avoir des carrières inspirantes et les plus belles possibles.